Oh, regardez! La M Company est là! La M Company! Let's go! C'est la première fois que je vois un camion. Ah, bah, il va faire le plein aussi. On est tombé dans les pommes! Ah là 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 là, quel temps de chien, je suis obligé de rester à l'abri le temps de faire l'intro. Salut à toutes et à tous, il est 16h, j'espère que vous allez tous très bien les amis. Pour ma part, ça va super bien, je suis très content de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Grand Utopia, sur Euro Truck Simulator 2 bien sûr. Attendez, je vais vite. Ah, ça cueille. Vite. Ah, ça fait froid, je rentre. Paf. Ouh, ça fait du bien. Les amis, nouvelle vidéo, le lendemain même de la dernière. Et oui monsieur dame, mais vous êtes des génies. Vous êtes des génies. Je vais être très transparent avec vous. Je tourne cette vidéo, on est le matin, d'accord? Donc cette vidéo sortira bien sûr à 16h dimanche. D'ailleurs la France a gagné hier, bravo. Dans notre campagne, rugir ces féroces soldats. Vous êtes des génies. Je vous ai dit 200 pouces bleus. Et pour être très honnête avec vous, on n'y est pas encore. Mais vous avez fait un meilleur démarrage encore sur cette vidéo que sur la toute première. Donc en fait là actuellement on est je crois, vous avez mis combien de likes là? On est à 138. Avant je faisais caca, on était à beaucoup moins. Donc les gars, je suis très transparent avec vous. Je pense qu'à la fin de la vidéo on sera, je sais pas, je vais pas pronostiquer, on regardera ça après. Mais en tout cas merci infiniment à vous pour tout votre soutien. Donc voilà, on se fait plaisir. Les gars, sur cette vidéo, allez, on va pas pousser trop au mémé dans les orties. On va passer sur un 220. 220 pouces bleus et on continue encore, j'enchaîne. Ça vous va? Aujourd'hui les amis, on transporte des pommes. Attention à ne pas tomber dans les pommes. On va à Chasseville et on est avec ce Mercedes bien sûr. Oups, voilà. On va rouler bien sympathiquement et on va passer par Sainte-Marie-sur-Mer. C'est vraiment un super chouette endroit. On va faire un petit détour par là, si c'est possible, pour avoir le point d'interrogation. Je sais pas de quel côté il est le point d'interrogation, mais j'imagine comme ça. Voilà, petit point d'interrogation ici, est-ce que ça vaut le coup? C'est un concessionnaire donc je pense pas. Il y aura un point d'interrogation là-bas directement. Et sur la route, est-ce qu'il y a des points d'interrogation? Non, pas du tout. Voilà, donc on va partir de Hegeskov, on est parti directement. Donc ce magnifique Mercedes bien sûr, Actros. Voilà, on est directement parti les amis, 220 pouces bleus. Bien sûr, je compte sur vous. J'espère enfin que le jeu est fluide. Alors, pour vous expliquer ce qui s'est passé sur la dernière vidéo, je suis un petit peu déçu, alors j'espère vraiment que... Ouais, mais on est dans la merde là dès le début. Non, ça va le faire. Je vais faire des manœuvres. Voilà. C'est ça qui est beau. Je suis un peu déçu parce que vraiment, il faut savoir que donc dans la dernière vidéo, j'étais en train de me vanter et j'étais tout content à dire que le jeu est super fluide et super beau. Donc là, j'espère que c'est le cas aujourd'hui. Sinon, encore une fois, c'est que des crash tests, vous inquiétez pas. Putain, mais il me fait sortir d'un endroit, frérot, c'est hallucinant, quoi, ce qu'il me fait faire dès le début, quoi. Heureusement qu'il n'y a personne. Hop. En plus il pleut, faut faire attention. On avait livré ici hein, chez la team Zephyr dans la dernière vidéo. Donc voilà, on repart ici, c'est plutôt pas mal. Bien RP. Donc oui, dans la dernière vidéo en fait, faut savoir que là, même là aujourd'hui hein, mon jeu est ultra fluide hein. Il a jamais été aussi fluide évidemment, parce que du coup je n'enregistre pas. Alors je vais pas vous refaire tout ce que je vous ai expliqué, mais comme j'enregistre pas sur le PC directement, bah mon jeu il est fluide de ouf. Et moi je vois mon retour sur OBS sur mon deuxième ordi et je vois que tout est fluide en fait. Et donc je n'ai pas compris pourquoi il y a eu des drops de FPS dans la dernière vidéo. Donc là j'espère que c'est réparé. Vous me direz en commentaire, j'ai hâte. En tout cas j'ai hâte, mais j'espère quand même que c'est bon. Allez j'y vais, je m'arrête pas, ça glisse trop. Toute direction. Parce que vraiment c'est super agréable, c'est ultra fluide. Et moi je me vois, regardez, coucou. Je suis ultra fluide, donc me dites pas qu'il y a des drops de FPS s'il vous plaît. Ce serait bien quoi. Ce serait bien. Alors voilà, j'ai retouché quelques paramètres, donc normalement ça devrait le faire. Je remercie KevKevKo et LCC Fox qui m'aident beaucoup. LCC Fox, on va en parler, hein. On va en parler, messieurs dames, hein. Parce que là, ce qui se passe, c'est fou. Mais donc voilà, attendez, il y a pas un truc métaverse là? Oh putain, il a changé, l'enfoiré. Il a enlevé mon panneau métaverse. Ici, il y avait un panneau métaverse, je m'en souviens. Je m'en souviens très très bien. Donc voilà, en tout cas, j'espère que ça va aller. Hop, let's go. J'espère que ça va aller. Parce que pour moi là c'est vraiment l'idéal et tout fonctionne bien, donc je l'espère. En tout cas merci beaucoup pour vraiment vos commentaires, ça m'a fait très 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 plaisir. Justement c'est pour ça que là on continue d'arrache-pied. J'ai toujours pas configuré le zoom sur ma souris, je suis vraiment débile. Mais bon bref. Alors parlons de L7C Fox messieurs dames, puisque je vous ai dit qu'il était de retour bien sûr. Mais vous l'avez probablement vu, mais ça y est. Là j'appelle ça le vrai retour puisqu'il a sorti hier en fait hein.
si je dis pas de bêtises. Bah oui, hier, une nouvelle vidéo sur Euro Truck Simulator 2 avec Miss en facecam, avec Miss au volant, tous les deux en train de parler. Que du bonheur, que demander de plus finalement. Donc voilà, ils sont de retour et ça fait bien plaisir. Ils ont justement parlé de leur hack, un petit peu tout ce qu'ils ont fait. Ils ont fait des clins d'œil aussi à la team YouTube qui les ont aidés, etc. Donc tout va bien. Donc voilà, je vous invite à aller regarder cette vidéo si ça vous intéresse. Je la mettrai en description et en fiche en haut à droite, comme vous avez pu le voir, pour ceux qui sont sur ordinateur. Parce que je crois que sur mobile, c'est pas pareil. Mais donc voilà, je mettrai le lien en description, bien évidemment. Donc j'étais bien content. À noter que j'ai... Alors c'est trop rigolo. Pendant que je regardais leur vidéo, il y a personne, c'est bon. Pendant que je regardais leur vidéo, j'étais en train de réajuster un petit peu mon setup parce que ça me plaisait pas trop la disposition de mon ordi portable. Tout ça pour qu'au final j'ai remis quasiment comme avant. Donc en fait j'ai quasi rien touché. Donc pendant une demi-heure, j'ai fait des choses dans le vent. Voilà, tout simplement. C'est assez rigolo. On pourrait mettre un peu plus fort les essuie-glaces là quand même, en vrai. Je suis à 100 km/h, on va se détendre. On va se détendre tout de même. Parce que là, doucement. Le soleil. Par contre, regardez, le ciel bleu revient. Alors j'espère qu'on va l'avoir avec nous. Ça peut être assez sympa. On va ralentir, c'est 60. Oh là 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 là. Doucement. Parce que c'est vrai que j'ai roulé comme un fou, hein, dans la dernière vidéo, comme vous me l'avez dit. J'ai roulé comme un fou. Donc là, on va éviter de faire de la merde. Ah, ça peut être pas mal. Ça peut être pas mal. Ah, je crois que là, j'ai les essuie-glaces automatiques, non? Ça s'est régulé tout seul. Hop. Voilà, regardez comme je conduis bien. Bah, on transporte des pommes, alors je fais un petit peu plus attention. Les pommes, c'est important, monsieur dame, hein. C'est important. Bon, donc voilà, la Coupe de France, l'équipe de France est qualifiée pour ça fait plaisir. Ça fait plaisir, ça fait plaisir. Ah, vive la République, vive la France, hein, comme dirait Grisou. Incroyable. Tous les clins d'œil à Macaron, Chacaron, Macaron. Putain, mais quel suceur, hein. Pas Griezmann, hein. Non mais voilà. D'ailleurs, je voulais vous parler d'un truc. Ah oui, les amis, ce soir, événement exceptionnel. Ce soir, j'en profite puisque la vidéo sort le même jour. Ce soir sur Twitch, rendez-vous sur Twitch. Je suis en live, vous le savez. C'est pas du Call of qu'on va faire ce soir, c'est du GTA 5. Et oui, messieurs dames. Ah, petit moment de nostalgie, petit moment de folie. Faut savoir que GTA 5, donc, c'est sorti en 2013, Grand Theft Auto. C'est sorti en 2013, j'avais donc 13 ans. Je suis en 2000. Et j'ai lancé le... Donc j'ai fini la campagne, j'ai découvert le jeu en 2013. D'accord, le mode solo, incroyable. J'étais petit donc je comprenais pas grand chose finalement. Enfin, je pensais tout comprendre. Sauf que 3 ans après, j'ai refait. Donc en 2016, je l'ai refait sur PC. Un petit peu plus mature, donc je comprenais un peu plus certaines choses dans GTA. Je l'ai refait 3 ans après, en 2019, sur PC avec encore une meilleure qualité. Là, j'ai évidemment à 19 ans, j'avais tout compris au ref. C'est vrai que GTA, c'est un chef-d'œuvre, hein, on peut le dire, c'est un chef-d'œuvre. 3 ans après, 2022, je le refais une 4e fois. C'est ça, ce qui est bien, c'est que je l'ai fait tous les 3 ans. Je le fais tous les 3 ans, pas de manière... c'est pas fait exprès, c'est un hasard, tu vois, que je le refais tous les 3 ans. Sauf que là, je vais le refaire avec une meilleure qualité, avec une meilleure fluidité. Et alors, évidemment, GTA, on sent... Pour ceux qui ont connu, pour ceux qui ont fait le mode histoire de GTA, évidemment, on le connaît. Je vais pas faire genre que je vais tout redécouvrir. Genre, je connais le jeu, je connais la map quasi par cœur. Enfin, par cœur, pour ainsi dire. Même si j'ai peut-être oublié des détails, mais je connais par cœur. Le mode histoire, je sais comment ça se finit quand on choisit une telle fin. J'ai d'ailleurs jamais changé la fin, pour être honnête, parce que je ne peux pas faire autrement. C'est impossible pour moi de prendre une fin alternative. Et probablement que là on va recommencer le mode campagne. Probablement que je prendrai la même fin parce que mon éthique m'oblige à terminer le jeu d'une certaine façon. Bref, je ne spoil pas pour ceux qui ne connaissent pas, même si ça m'étonnerait. Mais en tout cas voilà, il a arrêté de pleuvoir parce que je parle de GTA et ça fait plaisir. Bah si, il pleuviote encore un peu, je me suis peut-être un peu enflammé. Mais donc voilà, en fait j'ai très hâte de pouvoir recommencer parce que je suis comme un gosse à de nouveau redécouvrir d'une autre façon le jeu, recommencer à zéro, reconduire les voitures sans mode, sans rien. Tu vois, refaire le mode histoire, redécouvrir Franklin, Michael, Trevor, tout ça, j'ai trop hâte. Ça va être que du bonheur, je sais pas combien de temps ça va durer, donc ça va durer plusieurs soirs. Je sais plus combien de temps il faut pour terminer le jeu, ça va prendre du temps, mais c'est ça ce qui est cool. C'est ça qui m'avait manqué, de pouvoir refaire du GTA justement, mais pour refaire le mode histoire. Je l'ai jamais fait en live, je l'ai jamais fait en vidéo, donc c'est pour ça, c'est vraiment la bonne occasion. Vous savez qu'en live j'ai une soundbox, vous pouvez envoyer des sons sur le live pour me déconcentrer, pour faire rire, etc. Donc j'ai exprès mis des sons en rapport avec GTA, vous allez très vite comprendre, vous savez le « Ah shit, here we go again ».
vous dépensez 300 points, c'est gratuit hein, bien sûr, hein, c'est en regardant le live vous débloquez des points, ou en commentant dans le chat vous gagnez des points, et vous pouvez mettre ces sons sur le live, tout le monde les entend, c'est trop rigolo quoi. Donc voilà, vraiment ça va être bien sympa dès ce soir, 20h sur Twitch, le lien est en description bien sûr, et voilà j'ai vraiment juste trop hâte, les missions inconnues et des traqués, tu vois, juste s'amuser pour des petits trucs comme ça, on fait plus ça, tu vois, tout le monde est sur GTA Online, ou surtout GTA RP, où ça fait des RP et tout. Non, moi ça m'intéresse pas ça. Mais alors refaire le mode histoire, waouh, ce sera la 4e fois que je la refais, tous les 3 ans et tout. Vraiment c'est ultra cool. GTA 6 en plus c'est dans bientôt, donc c'est juste parfait niveau timing. Donc voilà, j'ai juste trop hâte. Dès ce soir les gars, ça va être que du bonheur. Ça va être que du bonheur. Alors comment ça m'est venu cette idée, pour ceux que ça intéresse, pendant qu'on parcourt ces magnifiques paysages de Grand Utopia, que j'espère que vous voyez sans bug. Moi de mon côté visiblement il n'y a pas de bug, donc j'espère vraiment que c'est le cas chez vous. Comment m'est venue l'idée? Bien tout simplement, cette semaine j'ai fait un live, j'ai fait plusieurs lives hein, tous les soirs hein, pour ceux qui me suivent, merci à vous encore. Mais j'ai fait un live cette semaine qui m'a fait péter un câble parce que c'était vraiment pas ma bonne soirée. Voilà, j'aurais pas dû streamer mais c'est pas grave, ça vous a diverti. Et j'ai pété un câble en fait, j'ai joué à Minecraft et j'ai rage quit au bout de 10 minutes. J'ai joué à Call of, j'ai rage quit au bout de 30 minutes. Bref, le live vous avez compris, vous faites 30 plus 10, ça fait 40. Le live il a pas duré longtemps, j'ai pété un câble et j'ai arrêté le live. Et en fait j'ai été dans une démarche de, il faut que je trouve un jeu, un panic game. Un panic game, c'est-à-dire c'est le jeu que je vais lancer qui va pas me prendre la tête si jamais j'ai un problème en live, si jamais il faut que je stream, tu vois. Parce que c'est quasiment, ça va commencer à devenir carrément un métier le truc quoi. Pour ma part, je veux dire, il faut que j'assume. Mais si les jeux me font péter un câble, il me faut un truc de secours. Donc le truc de secours en l'occurrence c'était Fall Guys. Mais j'avais demandé, voilà, sur Twitter et sur les réseaux, des idées de panic game. Et il y a Roros, Roros le boss, Roros le modérateur de la chaîne. Enfin un des modérateurs de la chaîne, il a proposé GTA. Et juste en proposant ça, j'étais en mode waouh, ça fait 3 ans quand même. Waouh, le mode histoire. Donc en fait c'est pas une histoire de panic game ou quoi hein, au contraire. Mais par contre vraiment ça m'a donné envie de nouveau de réinstaller GTA là, de relancer à zéro, parce que comme dit mon PC a été réinitialisé, je vous le rappelle. Donc dans tous les cas j'ai plus aucune sauvegarde, j'ai plus aucun mode. C'est le bon moment pour repartir sur de bonnes bases. Donc voilà, c'est comme ça que m'est venue l'idée. Par contre, si vous avez des idées de panic game, comme je les appelle, n'hésitez pas. Donc, c'est-à-dire un jeu qui prend pas la tête, un jeu qui, voilà, même si vous êtes énervé, vous lancez le jeu, vous êtes chill et vous vous posez pas de questions, tu vois. Genre comme le solitaire. Mais je pense pas que je vais vous proposer un live sur le solitaire, vous savez, avec les cartes. Je pense que ça vaut pas trop le coup. Alors, on arrive à Sainte-Marie-sur-Mer. C'est très joli. On a la boue à gauche, bien sûr. On a la station essence à droite. Hop, il n'y a pas de prix affiché à la station. Donc voilà, bienvenue à Sainte-Marie-sur-Mer, un des derniers villages qui avait été ajouté, bon, il y a quelques mois maintenant, mais qui fait toujours plaisir, qui est très sympa, très sympa. Vraiment, ma hantise, c'est que la vidéo bug. Je vous le dis, ma hantise, c'est que ça bug. J'espère que ça ne bug pas. J'espère que ça ne bug pas, parce que vraiment, moi, je passe du bon temps. Route iconique Hiroshi Aruayama, c'est la fin de la route, bien sûr. Regardez mon beau petit camion, regardez la belle petite remorque, que du plaisir. Regardez ce paysage, bien sûr. Alors le feu est vert, hein, monsieur camping-car. Il s'était endormi derrière dans le lit, il a dû chercher des trucs, je ne sais pas. Allez, on est y par, messieurs, dames. Hop là, ouais, c'est que ça penche par ici, donc. Hop là, j'ai jamais pris cette route dans ce sens, d'ailleurs. Et ça, c'est stylé, on l'a toujours pris dans l'autre sens, me semble-t-il. Ah non, on l'a peut-être pris dans ce sens-là en convoi. Si, c'est possible. Mais la dernière fois, en tout cas, c'était dans l'autre sens. Donc là, comme ça, ça va nous permettre de nous concentrer et d'admirer un petit peu les petites baraques que nous avons sur les côtés, bien sûr. Et on va faire un détour pour avoir un point d'interrogation. Oh, maintenant, je me souviens. Je crois qu'on va traverser un pont très exigu, si je dis pas de bêtises. Je ne suis pas sûr. Je ne suis pas sûr. Regardez, waouh. Oh, c'est beau. Attendez. Excusez-moi, mais il faut en profiter parce qu'il y a une cascade d'eau derrière, le petit screen. Vous avez vu comme c'est rapide? Alors j'espère que c'est fluide pour vous, mais en tout cas niveau rapidité, hein, j'ai jamais eu ça avant. Alors regardez, ça c'est pas mal, la cascade d'eau. C'est peut-être moins stylé que ce que j'imaginais avec le mammouth et tout. Enfin le mammouth, je vais appeler ça un mammouth. J'aime bien, regardez, on dirait une miniature à la L7C Fox. Vous trouvez pas? On dirait une miniature à la L7C Fox. Il fait ce genre de miniature Fox. Ah, comme ça. Plutôt comme ça. Tac! Comme ça, j'ai la place pour mettre le logo Euro Truck et Grand Utopia. Eh, vous connaissez la stratégie, hein. Voilà! Ni vu ni connu, on est reparti. Tac! Et tu tapes, c'est ta façon d'aimer ce rythme qui t'entraîne jusqu'au bout de la nuit.
Réveille-toi, tourbillon d'un vent de folie. Et là, c'est cool. Mon jeu, il est un petit peu moins fluide que tout à l'heure, pour être honnête avec vous. Mais du coup, en théorie, ça, ce qui est cool, c'est que ça n'a pas d'impact sur le record ou quoi. Et ça, c'est beau. Et ça, c'est beau. Hop là. Bon, à noter que, bien sûr, si j'ai des problèmes encore dans le record, ces problèmes ne sont pas les mêmes quand je suis en live. Parce qu'en live, l'encodage, c'est quand même différent. C'est une autre façon de faire. Le record, ça travaille sur le disque dur, ça fait plein de choses, alors que le record, c'est juste envoyé par internet. Donc, dans tous les cas, vraiment, vraiment, n'hésitez pas à venir voir mes lives s'il y en a qui ont peur. Vraiment, vous voyez, c'est ultra fluide. Même pour du live, je suis tellement fier de proposer une qualité comme ça, c'est quand même fou, quoi. On a découvert un point d'intérêt. Merde. Il est où ton point d'intérêt, connard? What? Ah oui, la grande roue, incroyable. Le point d'intérêt. Ah bah, ah, c'est le point d'interrogation qu'on va choper, tiens. Ah oui, voilà, c'est ça, on va traverser le pont. On va traverser le pont juste au-dessus de nous, là. C'est bien ça. Ouais, on va se mettre dans la merde. Vous allez voir, vous allez kiffer. Vous allez kiffer. Ah, je suis content d'être passé par Sainte-Marie-sur-Mer parce que c'est vraiment un superbe endroit ici, hein. C'est vraiment un superbe endroit. La grande roue, bien sûr. Bon, là, du coup, on la voit pas trop bien. Et là, oui, je m'en souviens. Combien de fois on est passé par là, je ne sais plus, mais incroyable. Avec le pont. Le pont. Le passage ici. Hop là, je te passe devant. Eh bah ouais, mais fallait mettre son clignotant gauche. C'est tout. Fallait mettre son clignotant. À un moment donné, faut arrêter de crier sur les routiers, hein. Si vous mettez pas vos clignots, et venez pas me faire la leçon parce qu'il allait pas tout droit. Il allait plus à gauche. Donc clignotant gauche. Musée résistance, bam. On va éviter de rayer le camion, bien sûr. Ok. On est pas mal. On est pas mal. Oh là là, regardez comme c'est beau. J'ai envie de retenter de faire des screenshots, messieurs, dames. Il faut faire des screenshots, j'en profite, hein. Autant profiter, c'est rapide à faire. C'est magnifique et tout, tu vois. C'est quand même. Non, franchement, ça vaut le coup. Oh oui, si. Ça va être ça, les screenshots, en fait, hein. Oh là là. Oh là, sans aucun doute. Magnifique. Je cherche même pas à en faire de meilleur. Celle-là, c'est parfait. Vraiment, hein, my goodness. Ah oui, on peut passer à gauche. On essaye ou pas? C'est interdit au camion. J'aime bien me mettre dans la merde. Vous le savez. C'est interdit au camion, je m'en fous. Moi, j'ai pas peur de la police, moi. Nouveau passage, carte mise à jour. Hop là. Ah oui, la bah, ça permet de découvrir la nouveauté. Vous avez vu, maintenant, il y a les petits chemins qui sont affichés en pointillés. Et c'est sympa. Et là, je vais passer en séquentiel. Non. Voilà. Comme ça, c'est moi qui gère mes vitesses. Je vais me mettre en quatrième pour voir. Voilà, parfait. La cinquième. C'est le séquentiel, le mode? Je sais plus comment ça s'appelle, mais bon, tu m'as compris. Oh, c'est beau. Voilà, donc là, je vais rester en cinquième. On va pas se prendre la tête. Waouh. C'est quand même chouette, hein, Grand Utopia, monsieur dame. Hein. C'est quand même bien chouette. Hein. Je suis bien content de recommencer. Hein. Hop là. Ça, je réveille tout le voisinage. Je sais pas quelle heure il est. Il est 11h, c'est écrit sur le tableau de bord. Il est 11h, et d'ailleurs, dans la vraie vie, il est pas loin d'être 11h. Hop, je me remets en mode auto. Nickel. Nickel, nickel. Désolé pour le dérangement, hein. Désolé pour le dérangement, hein. Vraiment, hein. Hop. D'ailleurs, à droite, ça va où? C'est un cul-de-sac. Comme ça, l'affaire est réglée. Hop. Ah, c'est cool. Alors, le seul défaut, c'est qu'il faut marquer le stop ici. Et ça, c'est terrible. Je déteste marquer les stops. Alors, déjà en voiture, donc je vous laisse imaginer. Oh putain, connasse. Ah punaise. Ah, on avait l'opportunité. Ouais, ben. Oh non, faut. Ouais, mais là, tu forces aussi. Vous forcez, monsieur Damin. Merci à vous, en tout cas. Merci à vous pour votre collaboration. Moi, à un moment donné, il faut juste pas se foutre trop de ma gueule, quoi. Hein. Elle est où la cinématique? Pas que je la rate. Que je sens que je vais la rater encore. Elle est là. Excellent. Hop. Là, je viens de piller la remorque, là. J'ai jamais fait cette cinématique, hein, je crois, hein, messieurs, dames. Je ne suis pas sûr. Donc là, les gars, on va en profiter. Et voilà, le drapeau français, le drapeau européen, la cathédrale derrière. Enfin, la cathédrale, là, oui, c'est une cathédrale, hein, on peut le dire. Avec les montagnes de Haute-Savoie, on les reconnaît, bien sûr. Le pont que nous allons prendre. Le pont bien serré, la grande roue, bien sûr, à 5 euros. Ça va, hein. Ça va, ça va. On est des bons clients, bien sûr. C'est magnifique. C'est magnifique, c'est magnifique. La montagne qui s'affiche au loin, bien sûr. L'eau qui est un petit peu sale, bien sûr, ne pas aller dedans. Hein.
des petites intersections qui font plaisir, un château fort derrière, le Rio de Janeiro du pauvre bien sûr, ou du riche plutôt disons, excusez-moi, sans vouloir manquer de respect bien sûr, croyable, croyable, les voitures qui passent par là, bah c'est par là qu'on va passer tout à l'heure d'ailleurs, après avoir traversé le pont bien sûr. Voilà, ça fait plaisir. Ah oui, l'église de l'église qui est un peu customisée avec des couleurs très pétillantes. Une vue, bien sûr, pour... c'est le pont pour aller à Mygotopia, si je dis pas de bêtises. Je dois dire une belle bêtise. Non, c'est le pont pour aller à la Joséphine. Ou la route du paradis, je ne sais plus. La Joséphine, c'est ça. Ah ouais, je suis bon, en vrai, j'ai une bonne mémoire. Alors, faut le dire qu'on l'a fait, Grand Utopia, quand même, hein. Faut le dire qu'on l'a fait. Ici, c'est un endroit où on est déjà allé justement avec Fox et My Godness. Pareil, un petit château, une petite villa, un petit hôtel, petite maison. Je sais pas ce que c'est finalement, mais quelque chose d'assez bien sympa. Et voilà, encore une très belle vue d'ensemble pour terminer cette cinématique, bien sûr. Je suis un bon commentateur. Et c'est un 2-1 pour la France. Et voilà, la cinématique se termine ici. Je l'ose l'imaginer. Je connais My Godness maintenant. Donc en théorie, il n'a pas forcé. C'est pas mal. My Godness, on est lié. Je savais que c'était la fin de la cinématique, alors que la vérité, j'avais aucune idée de à quoi elle ressemblerait. Ça fait plaisir. On est reparti. Hop. Direction le petit pong. Et je parle pas du petit pont que la France a mis à un Danois hier, bien évidemment. À moins que c'était l'inverse, je ne sais plus. En tous les cas, c'était la honte. Voilà. N'hésite pas à passer. Voilà. Bonsoir. Hop. Allez, là, on va se concentrer d'eau. Voilà. Bang bang. Oh putain, j'avais oublié que c'était aussi serré, mon pote. Alors on va serrer à gauche, hein, parce que la gauche c'est le truc que je maîtrise. La droite un peu moins. Je parle pas politique, hein, bien sûr. Bien au contraire. Hop là. Tululu. Regardez-moi cette belle vue là. Un petit peu moins belle ici du coup. Un petit peu moins belle aussi par là. Et donc voilà la fameuse église avec toutes les couleurs pétillantes. Dont je n'avais jamais vu. Enfin, que j'avais jamais vraiment fait attention. Alors que pourtant, vraiment, on la voit. Hein. On ne voit qu'elle. Hein. C'est original. Pauvre église. Hop. Allez, le feu est vert, on enchaîne. C'est parfait, le timing. Par contre, faut accélérer. Hein. Faut accélérer, monsieur, voilà. Hop là. J'adore. J'adore ces intersections. Bien sûr, on retournera sur Anatolian Trucker Map, hein, vous inquiétez pas, quand il y aura des belles petites nouveautés. Mais voilà, là on se concentre bien sûr sur Grand Utopia. Vous voyez le feu rouge? Hop là, il passe au vert. C'est quand même un timing assez précis. Hop là. Il était intéressant, ça valait le coup quand même ce petit détour là, monsieur, dame. Je sais pas ce que vous en pensez. Je pense que ça valait quand même vachement le coup. Et là on va tout droit. Les gens en terrasse, incroyable. Les terrasses grandes comme ça, c'est que du bonheur. Oh putain. Je suis qu'une merde. Je suis qu'une merde. C'est pas grave, j'avais besoin de faire le plein. J'avais besoin de faire le plein de toute façon. C'est mon emploi, mon patron, il m'a demandé d'en profiter si jamais avant d'arriver à Chasseville. Tu sais, juste avant la station, du coup, il m'avait dit de faire l'essence. Donc c'est pour ça du coup que je passe par là finalement. Hop. Voilà, non vous inquiétez pas, hein, je suis pas non plus si teubé que ça. Je sais pas du tout de quel côté est le machin. Mais on va se mettre ici. Ça me paraît pas mal. Hop. Tac. Tac. Ah. Hop. Bon. C'est par où? C'est par ici. Hop. Tac tac tac. Bem bem, je suis pas du bon côté. Oh si. Oh bah de toute façon les deux côtés ça allait, je crois. Je m'y connais pas trop. Bon, allez, on fait le plein. Il m'a dit d'aller au taquet, hein, de toute façon. Hein. Comme ça, l'affaire est réglée. Hop. Oh, putain. 1,91€ ? Pas cher, pour le coup. 819€. Heureusement que je suis passé à l'essence, moi, pour ma part. Allez, hop, let's go. Tac, tac, tac. Et on est y part. On est y part, messieurs, dames, pour de nouvelles aventures. Chiche. Il va être content, Roger. Ouais, Roger, c'est mon employeur. Toudoudoudou. Oh putain, encore un stop à marquer. Oh, c'est terrible. Rien à foutre. Heureusement, il n'y a pas la police. Hein.
Heureusement, il n'y a pas la police. Hein. Oh, regardez! La M Company est là! La M Company! Let's go! La M Company est là! Je suis premier degré ému! C'est la première fois que je vois un camion. Ah, bah, il va faire le plein aussi. Merde! Vous venez trop vite dans les ronds-points. Merci, frérot. Incroyable! Représente la M Company, monsieur, dame! Et les gars, n'hésitez pas. Hein. Si vous jouez à Grand Utopia et que vous transportez une remorque M Company, n'hésitez pas à faire des screens. Vous me mentionnez sur Instagram. Vous m'envoyez pas par message privé. Vous faites une story et vous me mentionnez sur Instagram. Comme ça, je repartage. N'hésitez vraiment pas, les gars. C'est super sympa parce que, comme ça, vos potes, ils voient dans votre story ce que vous faites. Et moi, je peux repartager. Comme ça, tout le monde voit. Et puis, ça fait clin d'œil. C'est sympa. Ça fait de la pub et tout. C'est rigolo, tu vois. Donc, n'hésitez pas vraiment sur Instagram. Si je vais laisser l'automatique gérer, c'est pas mal. Ah, c'est trop stylé. C'est vraiment la première fois que j'en vois un rouler, je crois. Hein. Ouais, ouais, c'est la première fois. C'est rare en vrai. Parce que, à l'époque, justement, quand la VTC avait été créée exprès. J'en cherchais un qui roulait pour pouvoir faire des cinématiques sur lui, tu vois. Et j'en avais jamais trouvé. Voilà. C'est marrant. Là, il faut que j'aille à gauche. Ouais, mais il faut me prévenir avant, frérot, non? Ah non, faut que j'aille à droite. Oh, pardon. Pardon, désolé pour la frayeur derrière. J'ai du mal à tout comprendre. Ok. Allez, let's go. Let's go. Allez, on pousse devant, on pousse, s'il te plaît. Je suis en éco-conduite, là, Pousse. Bon, tant pis, c'est pas grave, je lâche. Pour faire du 0 litre par 100. Du 0 litre au 100, ouais, 0 litre par 100. Waouh. On voit encore Sainte-Marie-sur-Mer, là-bas. Pas dégueu. Allez. Je suis jamais allé là, moi. Je suis jamais allé là. Aucun souvenir. Alors attends, là on va... Oh oui, c'est sympa là. Eh. Mais c'est que c'est sympa par ici. Il fait bon vivre. Ok. J'ai une bonne conduite là en vrai. Hein. Je sais pas ce que vous en pensez. N'hésitez pas à commenter. Alors pareil, merci beaucoup pour vos records de pouces bleus. Vraiment infiniment. Encore une fois, je compte sur vous. 220 likes et on enchaîne d'arrache-pied. Mais vraiment également les commentaires super importants. Moi vous savez que les chiffres c'est pour le défi, c'est pour la blague, c'est pour tout ça. Mais les commentaires les gars, c'est le... J'adore vous lire. Ça c'est voilà, c'est pas robotisé quoi. Vos commentaires c'est vous qui écrivez, c'est ce que je préfère le plus évidemment. Donc voilà vraiment. Mais je vais pas vous dire 220 commentaires. Sinon les mecs vous allez spammer des trucs débiles. Non vraiment, 220 pouces bleus. Et le maximum de commentaires pour vous lire bien sûr. C'est à gauche qu'il faut aller hein. Là c'est une agence de recrutement, très très bon à savoir. Et vous pensez que ça va mener à quelque part tout droit, un jour? Je pense, hein. Je pense qu'il nous prépare quelque chose par là-bas. Je suis arrivé, monsieur, dame. Et on est chez... On est chez qui? J'arrive pas encore à lire. Hop. Oh, bah les gars, soyons fous maintenant. On est bien lancés. Hein. Vous me motivez, franchement, donc... Celle-là, elle est pour vous. Celle-là, elle est pour vous. Mais on est chez qui? Big Fright. Ok. Ok. Attendez, je me concentre parce que je vois pas comment je vais pouvoir faire. Ah bah si, comme ça. Bah non. Bah non, oui, c'est bien ce que je me disais. Ouais, le problème c'est que moi, je vais avoir un souci de conteneur ici, moi. C'est bien mignon tout ça. Ah putain! Bon, c'est pas grave, on va devoir la refaire en plusieurs fois. J'avais pas besoin de tourner le volant. Ouais, non, là j'ai débordé là. Je suis absolument là où je dois pas stationner, tu sais. Je suis pile à côté de mon emplacement. Bah, du coup, ce qu'il faudrait que je fasse plutôt, c'est d'aller plus loin. Plus loin et pas trop proche. Voilà. Là, ça me paraît pas mal. Là, ça me paraît vraiment pas mal. Voilà, et là normalement regardez bien. Si je fais ça, automatiquement ça devrait rentrer. Comme papa dans maman. Et encore je suis pas sûr. Putain ça me fait peur à gauche. Ça qui me déstabilise. Ah putain je vois rien.
Oh là là, je vais taper un autre. Un autre. Alors attends. Qu'est-ce que je dois faire? Je dois faire ça? Ah ouais, putain, je suis dans la merde. Ah, c'est bon, c'est bon, c'est bon. C'est bon, l'autre il doit avoir un peu peur, un peu chaud aux fesses pour sa remorque. Mais l'essentiel est dans l'actel. Hop. Eh, y a personne qui travaille aujourd'hui, je m'en fous. Personne verra ma... Personne n'a vu comment je suis, donc on s'en fiche total, c'est très très bien comme ça. Hop. Et bien voilà, presque le niveau 2. Bah les amis, j'espère que vous avez kiffé cette vidéo. J'espère que ça a été fluide, vraiment. J'espère vraiment que pour vous l'expérience a été la même que moi. C'est tout ce que j'espère. J'y crois, mais si ça se trouve c'était horrible à voir, je ne sais pas. Mais en tout cas les gars, je vous kiffe vraiment. Et à très vite pour une prochaine vidéo. Suivez-moi ce soir en live sur Twitch, 20h. Suivez-moi sur Twitch de manière générale. Et on se retrouve donc très vite pour de prochaines vidéos, que ce soit des best-of ou Eurotruck bien sûr. 220 pouces bleus, je vous embrasse. Bon dimanche encore, bonne fin de dimanche. Bon courage pour la semaine, let's go. Vive la France bien sûr, on n'oublie pas la Marseillaise. Et je vous embrasse, salut tout le monde.